Et aussi, là, tous, bienvenue dans la chaîne. Alors, André, aujourd'hui, je vais vous montrer une petite astuce citron. Citron avec de. Ouais, la vidéo, je l'ai mis comme ça en face cam. Ça veut dire que c'est une vidéo comme genre TikTok. Même si je mets sur YouTube, là, vous voyez bien le principe. Et bah, la vidéo va durer assez longtemps. Du coup, faites très attention et mettez un gros like, un gros pouce bleu si vous voulez plus d'astuces de ce style, de ce genre. Cette astuce est à la compagnie de chez LR Ensemboutier parce que je suis encore partenaire chez LR. Je travaille avec des produits aloe vera. Vous pouvez découvrir la tendance du jour. Que ça s'appelle le dentifrice Kid, ça c'est pour les plus petits, et c'est de l'aloe vera, c'est du dentifrice Kid. Et regardez maintenant avec le citron, la magie du citron, ça c'est très important, la magie du citron elle est là, l'emballage de l'aloe vera Kid, ça c'est très important aussi. Vous commandez pour votre enfant, pour votre dentifrice aloe vera, pour des dents encore plus saines, enlever les taches noires. Et toutes les autres tâches de tartre, tout ça, c'est dentifrice et une très bonne haleine d'aloe vera de fraîcheur. Du coup, je vous invite à le tester. Si vous voulez bien, dans la description, je vous mets le lien affilié et c'est parti. Voilà, maintenant, on va tester le citron avec la brosse à dents. La brosse à dents, elle est en bois, elle est un peu vieille, tu vois, un peu vieille. On va faire simple, on va faire simple. Je vais mettre le citron ici. Le citron est là et je vais frotter la brosse à dents délicatement dans le citron. Frotter comme ça. J'ai qu'une main, mais c'est pas grave. Vous frottez. Vous allez encore un peu plus frotter. Très important. Vous allez râper. Vous allez bien que ça râpe. Vous allez râper et vous allez frotter la brosse à dents dans le citron. Vous allez frotter comme ça. Vous frottez, vous frottez. Je pense que ça y est, on a assez de citron là-dessus. Et bien la pulpe du citron. Et maintenant, vous ne rincez pas avec l'eau, surtout ne rincez pas avec l'eau, très important. Vous allez le mettre dans vos dents, ça va être un goût très acide. Mais c'est une astuce pour enlever les taches noires. Regardez. J'ai quelques taches noires, du coup, c'est parti pour l'astuce. Allez, on le met tout de suite. C'est acide. Ah, c'est très simple de dire, c'est vrai. Même frotter, vous mettez un peu d'eau. Vous répétez ça, vous mettez un peu d'eau là. Vous frottez encore dans le citron. Vous allez frotter dans le citron. On va le remettre dans les dents. Ah. Les tâches sont en train de s'enlever. Ça va pas marcher tout de suite. Vous devez faire ça tous les jours. Donc le citron. Faites attention, je vous dis, faites très gaffe à pas en abuser. Parce que si vous abusez, il y a une contrainte là-dessus. Trop de citron, trop de bicarbonate. Ça fonctionne aussi avec le bicarbonate et le citron. Faites très attention parce que si vous en abusez. Vous allez, vos dents, ça va enlever la maille des dents, vos dents vont devenir transparentes et cassantes. Du coup, faites très attention. C'est vrai, ça peut enlever des taches, mais surtout, n'abusez pas de la performance du citron. Parce que si vous en abusez, vous en mettez trop dans vos dents, le citron et le bicarbonate de soude, ça peut, le bicarbonate et le citron, ça peut vous limer les dents. Par exemple, vous pouvez avoir des dents plus fragiles, plus cassantes et avoir des dents transparentes. Du coup, faites très gaffe à ça. Faites très attention surtout. Et si vous voulez plus de conseils de ce style, et toujours accompagné de chez LR, toujours LR Kid, soit c'est le dentifrice de chez LR Ensemboutier, LR Aloe Vera Kid.
Bah, si vous voulez plus de renseignements, plus d'informations, je vous invite à regarder d'autres vidéos de bicarbonate dessous et du citron. Et si ces vidéos sont à Google, vous recherchez, je sais pas, vous allez rechercher à Google, même des forums, même des sur YouTube, sur Google, n'importe quoi, sur tous les réseaux sociaux où vous voulez, vous recherchez citron, dentifrice, citron pour les dents. Et ça va vous aider. Vous allez voir les contraintes et la vérité, la face cachée de tout ça. Vous allez voir pourquoi le citron est très important pour les dents, pour enlever les taches. Mais surtout, à ne pas abuser. C'est très compréhensif, c'est très consultatif. Ne pas en abuser, c'est très important. Bon, maintenant que tout ça est fait, on va vous laisser. Surtout avant que la vidéo commence, lâchez un gros pouce là en l'air, un gros like. Abonnez-vous à la chaîne et j'espère que vous êtes les meilleurs. Je vous laisse à tous. Boum! Ciao! Ciao les JM! Ciao Alain André, je vous kiffe et je vous kiffe, ciao! Et surtout, laissez un message, et un tweet, tu vois, dans. J'ai mon @AndréJM917, un truc comme ça, vous pouvez me laisser des commentaires et des messages personnalisés. Ciao! Boum! Ciao à tout le monde! Bisous à tous, je vous kiffe, ciao!